Bonjour, on est très content de vous retrouver Maya et moi-même pour un nouveau duel. Alors, vous savez qu'on organise maintenant ce qu'on appelle des hauts et des bas. Là en l'occurrence on va débattre autour de deux maxi scooters, des vrais stars hein, chacun dans leur domaine. Le T-Max 530 en version Luxmax qui vient tout juste d'arriver. Et puis ce BMC 650. Sport 650, c'est à retenir parce qu'évidemment, ça fait quand même partie des grosses nouveautés par rapport à ce scooter Maya, n'est-ce pas? Beaucoup d'évolution. Grosse nouveauté, c'était toujours un moteur 650 cm3. Hein. C'est juste qu'avant, il était 600, maintenant il est 650. Ah ouais, alors avant, voilà. Ça ne le servait pas tellement de s'appeler 600 en l'occurrence. Non, ouais, voilà, 150, c'est mieux, hein, ça se pose là. Bah voilà, ça fait tout de suite un petit peu plus... un petit peu plus riche entre guillemets. Alors on va commencer par le design. Très souvent c'est ce qui sépare tout de suite les gens parce qu'on est on aime pas. Bon là en l'occurrence, moi j'ai quand même toujours un faible pour le T-Max. Oui, bah de toute façon, on sait bien maintenant depuis le départ. Voilà, en fait, il est absolument pas objectif. Bon, c'est dingue de voir une telle mauvaise foi, c'est pas grave, on sait que t'en avais un avant, ok. Alors. Moi je trouve que là, dans cette couleur, il a un petit côté encore plus requin. C'est toi qui un jour qui m'a dit, c'est marrant, ça me fait penser à un requin un peu. Bah oui, c'est ça. Allez, j'aime bien, moi. Ce coloris Luxmax, pourquoi luxe hein? Parce que c'est du latin, voilà. N'est-ce pas? Lux, luxix, en latin. Eh bien, c'est si tu nous refais le coup de la philo, ça va pas le faire. Alors là, oui, si, un peu de philo, c'est ça. Je suis largué tout de suite avec la philosophie. Gris, gris un peu limite, un peu foncé, c'est lumière. Non, ouais, mais là, okay. Parce qu'il est laqué, tu vois, ça renvoie la lumière, c'est magnifique. Ah ouais, ok, parce que quand c'est métallisé, ça renvoie pas la lumière. Oh, écoute, non, ça suffit. Ouais. Bref, moi, c'est je le trouve quand même plus joli, là, en l'occurrence, c'est ce qui compte. Le BM a quand même bénéficié de belles évolutions, là, pour ce millésime. Hein. Il est quand même plus agressif, à l'avant, il a été affiné, etc. Ouais. Donc, non, moi, ce je trouve que c'est un beau concéder, scooter. C'est un vrai gain en termes de qualité perçue. Oui, BM ça, c'est vrai aussi. Fait aussi de la voiture et honnêtement, ça se ressent maintenant sur ce scooter qui n'était pas forcément vraiment à la hauteur de la marque jusque-là. Ça a beaucoup progressé de non, ce côté-là. C'est vrai, beaucoup de les progrès, peintures sont jolies, les plastiques sont bien texturés. Ouais. C'est surtout au niveau du guidon que ça a bien progressé. Et c'est important parce que ce qui se passe à l'arrière quand on roule, on ne voit pas. Hein. En revanche, le guidon, on l'a devant, le poste oui, de pilotage, non, mais en c'est plus, joli. Voilà, bon. Sur un maxi comme ça, surtout qui est censé concurrencer le T-Max, c'est quand même, il faut avoir quelque chose de valorisant, tu vois. Il faut. Mais il n'a rien perdu de sa superbe, si je puis m'exprimer le ainsi, T-Max. Le T-Max. Ah bah non, ah ça bah non, reste non, quand non, même non, une référence à moi. Quand je m'installe dessus, je trouve ça super beau. Et d'ailleurs, en parlant d'installation dessus, niveau ergonomie, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, sur le BM, je suis quand même vraiment, vraiment bien. Position un tout petit peu moins sportive hein, que sur le T-Max. Guidon un tout petit peu plus élevé, un tout petit peu plus large. T'as changé, Maya Camus. Elle a changé. T'es fait pareil, tu vieillis, attention. Eh non, mais arrête. Non, je suis pas d'accord avec ça. Ok, bon, on est bien installé, on est content, elle est super. Là, oh, c'est un scooter sportif. Là, t'es un petit peu plus en avant. C'est un peu, tu vois. C'est parce que t'adores faire ton kéké, toi. T'étais une fashion victime, de toute façon. Voilà, moi, j'aime bien les challengers. Donc, je sombre pas comme ça dans les impératifs de la mode. Non. Okay. Hein. Bon, d'accord. Donc, on est super bien installé sur le BM. On a plus de place sur les jambes. Le passager, il a plus de place à l'arrière. Bon, on envisage sans souci de faire plus de kilomètres à son guidon. En plus, il a un pare-brise. Tu vois, réglable sur trois positions. Ouais. Oui, il n'a pas. Sauf que, donc, niveau protection, c'est mieux aussi. T'es en train de me le vendre comme si c'était un GT. Il y a le GT pour ça. Celui-là, il est censé être sportif. C'est le sportif de 40 ans, tu vois. Bah, rien à voir parce que justement, c'est moi, le gars de 40 ans. Et moi, je préfère quand même encore... Ben oui, le T-Max. Parce que tu t'imagines toujours avoir 20 ans. Et puis en plus. Non, et puis il y a un moment où, de toute façon, moi, hop, ça va se régler facilement. Je vais te mettre minable, on va faire une petite course, départ arrêté, ah bah tu vas ça. Voir, je vais te défoncer. Moi, ce que je constate quand même, c'est qu'effectivement, je me fais un peu mettre à l'amende. Ah oui, mais tu te fais bien mettre, hein, même, d'ailleurs. Je comprends pas très bien.
comprends pas. Bah, ça serait pas parce que je fais 50 kilos de plus que toi par hasard. Je te la mets aussi quand je suis sur le T-Max, hein. Mais oui, c'est ça en fait. Enfin, c'est ça, c'est une histoire de poids. Bon, bref, d'un autre côté, bon, bah, de toute façon, il fait 60 chevaux, il en voilà. fait que 47. Donc à poids équivalent, c'est sûr qu'on on a quand même l'avantage oui. sur le BM. Ouais, le BM en plus, il a une attaque un petit peu plus franche, hein, tu vois, ouais. il embraye tout de suite. Ouais. Alors que sur le T-Max, une micro latence, hein, c'est vraiment minime. Mais c'est parce que BM ont vraiment travaillé là sur cette nouvelle version, sur l'embrayage, sur la transmission qui est nettement plus souple. Bon, le moteur fait toujours ce bruit un petit peu rugueux. Il est moins onctueux. Hein. C'est vrai que le T-Max, il a ce côté onctueux. Ah. Et c'est vrai que j'adore aussi hein, le moteur du T-Max. Non, il est vraiment... Il se passe quelque chose. Et ça, c'est quelque chose que BM, franchement, a pas encore réussi complètement à trouver. Il se passe quelque chose quand même quand on est sur le BM. Ah oui, clairement, il se passe quelque chose. Il y a de la patate. D'ailleurs, on est bien content d'avoir un anti-patinage de temps en temps parce que c'est long, c'est un petit peu lourd à l'arrière, etc. Ce que tu n'as pas là. Hein. Ce qu'on n'a pas sur le T-Max, il serait temps d'y penser quand même, de faire évoluer ce scooter. Il faut reconnaître. C'est vrai que c'est une question de sonorité. Sonorité moteur, hein, pas pot d'échappement. Oui, parce que là, le pot il est bien réussi. Te dire parce que là je reconnais pas, ce que je reconnais c'est que j'ai une vitesse de pointe aussi légèrement supérieure, tu vois, alors je te mets la brasse au démarrage et puis je vais plus vite sur l'autoroute. Oui, sauf qu'on n'a pas le droit. Hein, alors c'est seulement sur les autoroutes allemandes, n'est-ce pas, où là on peut bloquer le compteur à 180. Là c'est vrai qu'à 170 on est, on arrive quand même un petit peu en bout de course. Quoi. Bon alors moi il y a un petit truc que je préfère sur le T-Max quand même. Je suis bien obligée de le dire, c'est le freinage. Parce que là ils sont au top du top, feeling, puissance, efficacité. Là on peut vraiment pas faire mieux. Je suis content de te l'entendre dire. BM il freine très bien aussi, mais c'est au niveau du feeling. Les leviers sont un peu plus spongieux, il n'y a pas le mordant, il n'y a pas le dosage qu'il y a sur le T-Max. Le T-Max a toujours eu un train avant délirant depuis le début. Ouais. Ils ont, à mon avis, beaucoup vraiment focalisé là-dessus à le rendre sportif. Et ce scooter est sportif. Et là, c'est bien aussi, mais on n'atteint pas cette sportivité. Oui. BM a quand même conservé, il faut le dire, ils ont quand même gardé... Ce côté plus polyvalent. Voilà, bon, c'est tout. Bon, voilà. Il n'empêche que dans les petits enchaînements, c'est vraiment kiff-kiff, hein, parce qu'il est un petit peu plus court, hein, un petit peu plus léger, il est un petit peu plus incisif, le T-Max, mais lui, avec son guidon un petit peu plus grand, tu le balances vite fait. Hein. C'est vrai. Il a une tenue de route, lui aussi, imperturbable. À pilote égal, je suis à peu près persuadé quand même que le BM sera plus efficace sur une piste encore parce qu'il a un moteur qui est quand même plus véloce et bon voilà. Ouais, mais le principal avec ces scooters, tu sais, c'est pas trop de faire de la piste, hein, c'est plutôt de faire de la ville tous les jours et puis des balades. Ah bah là, avantage T-Max. Puis des balades pour la ville tous les jours. Avantage je T-Max. Suis pas sûr, non, parce que il a un équilibre, le BM. C'est de mauvaise foi. Non, c'est pas possible. Il a un équilibre extraordinaire entre les voitures. T'as beau te dire, il fait gros costaud comme ça, hein, 250 kg avec les pleins. Ah bah, mais il a un équilibre, mais c'est redoutable. Bon, au niveau suspension, question confort, franchement, il n'a pas grand-chose à se reprocher, hein, le BM. Il est plus sportif aussi, le T-Max. Hein. On en revient toujours un petit peu là. C'est plus rigoureux. Là, encore une fois, moi, je préfère. Mais niveau rapport rigueur confort, moi j'ai rien à reprocher au BM. Il y a quelque chose qui m'insupporte moi, c'est leur nouveau système sans clé, là, un transpondeur. Bon là je m'incline. C'est pas possible ce truc. Insupportable. Quoi. Non mais ça fait une semaine là que je l'ai au quotidien. Ça fait une semaine que je me bats avec le système sans clé. Ça arrête pas de biper, de machin, je comprends rien. C'est super agaçant. J'imagine qu'au bout d'un certain temps, c'est vraiment devenu easy. Mais là, franchement, au début, je pense que certains vont s'arracher les cheveux avec ce système. Faut dire ce qu'il y a. Je voudrais quand même qu'on revienne 30 secondes sur l'histoire du coffre. Hein, oui, j'allais te le dire. Pratique.
Bon, alors, ok, d'accord, on a un flex case, on peut mettre deux casques intégraux quand même. Hein. Ouais, puis on peut mettre une baguette de pain, ou pour ceux qui font du tennis, on sait que tout le monde fait pas du tennis, mais oui, vous pouvez mettre une raquette de tennis. Bon, pour ceux qui font du golf, vous achetez une voiture. Mais pour ceux qui font du tennis, alors ce scooter est fantastique. Oh là là, l'argument à 2 francs. Bref, non, le coffre est tout grand. Le coffre du T-Max, on met rien dedans. C'est faux. On met un intégral, on met des vêtements de pluie et on peut même mettre un U sur le dessus. Je l'ai fait des années, ça n'a pas changé depuis. On peut mettre des choses dans le T-Max. N'oublie pas qu'il faut que tu lui prennes tout le temps sa chaîne aussi dans le coffre pour l'attacher partout en ville sur un point fixe parce que... Bon, si tu veux le retrouver... D'accord, il est volé, tout ça. Enfin, bon, bah, faut faire attention. Mouk. Bon, le coffre est plus grand sur le BM, et en plus, il a deux vide-poches, tu vois, avec la prise 12 volts dedans. Bah, là aussi, il y a une prise 12 volts dedans. Ouais, mais à l'extérieur. Non. Bah, à l'extérieur, c'est vachement plus pratique, t'es même pas obligé d'ouvrir. Ah, alors. Ouais. Bah si, enfin, bon. En plus, elle est étanche, là. C'est un truc... Non, mais il y en a deux, là. Voilà, d'accord, ok. Bon, sinon, la béquille... La béquille latérale. Du BM, latérale, ouais. Elle naze. Intègre naze. Le frein de parking. Bah naze. Bah quand la béquille est déployée, tu peux plus bouger. Moi, oui, ça mais me toi, rassure c'est parce d'avoir que la béquille déployée quand je bouge. Bah, si je me loupe, tu vois, ça glisse ou n'importe. Et la plupart, la reposer tout de suite. La plupart des motards, quand ils bougent leur moto, hein, ils replient la béquille et puis ils la redéplient après. Ouais, mais là, bref. C'est des scooters, ouais. J'ai rien à faire. Ouais. Non, là, il y a un frein de parking avant, c'est pas mal aussi. On fait clac, on repart. Bon. Je trouve que c'est chouette. On peut garder le moteur allumé quand on a mis le frein de parking. Là, c'est pas le cas. Et en fait, dis-moi, tu l'as payé combien? Je m'incline. Ah ouais. Alors là, c'est 11 499 euros dans cette version. Voilà, du donc plus cher que le mien. Effarant. Effarant parce que là, quand même, pour 11 350 euros, on a un scoot qui a déjà l'anti-patinage. Ouais. Ah, quand même. Un pare-brise réglable. Un pare-brise réglable. Non, mais blague à part, on a un scoot qui est plus polyvalent pour un peu moins cher. Mm. Après, si on a envie de se faire plaisir, poignée chauffante, selle chauffante, tout ce qui est feu à LED, enfin la signature visuelle, etc. Ça monte un petit peu. Mais d'emblée, d'origine, sans aucune option... Il est moins cher. Mm. Et puis toi, comme tu es une fashion victime, tu vas prendre le petit pot à crapaud vite qui va pas. Bien. Non. Ah non, surtout pas. Non. Déjà, le pot du T-Max, il est très très bien. Ça fait suffisamment un joli bruit comme ça avec un acrapovic. Honnêtement, moi je comprends qu'on ait envie de se faire plaisir, mais pour l'avoir fait, au bout d'un moment, c'est fatigant. Non, c'est fatigant. Donc au final, t'as fait un chèque supérieur au mien et puis ben. T'as pas mieux, c'est ça que tu veux dire. Voilà. Bon, et puis je vous rappelle quand même qu'on a essayé les deux modèles en essai solo, comme on dit, donc en vidéo sur motorlife.tv. Vous retrouverez donc encore plus d'informations. On va un petit peu plus loin quand on fait les vidéos solo, bien évidemment. Donc vous aurez tout sur motorlife.tv. Et puis si vous voulez aller encore un petit peu plus loin avec les fiches techniques hyper détaillées, tout ça, motoservice.com avec de très belles photos. Hein. Boris Meyer au niveau de la photo, là on est bien. On est bien quand même. Hein. Voilà. Bon, en attendant, je vais aller lui mettre 2-3 talkers. C'est ça. Pif, hein. C'est ça. Et puis, voilà. Allez. Et puis on viens se prendre ta raclée. Allez, va. Salut. Ça tourne, hein? Ouais. Bah là, normalement, on est là pour faire un tournage. On est là pour faire un duel. Un duel. Et en fait, terrible. On a la poisse. Déjà, il pleut. Hein. Et puis, il y a Bobby qui va se mettre à tondre. Parce que c'est l'époque de la tonte. Hein. C'est un moment comme ça où faut tondre. Mais ce qu'il y a, c'est que si on pouvait éviter de tondre quand nous, on vient faire des tournages, ça serait vachement mieux. Tu vois? Parce que déjà qu'il pleut. Bah non. Hein. Alors, Bobby, il se prend pour Sébastien Loeb sur pelouse. Et ça, tu vois, ça, pas du tout. La Roscoe, pas content, là. Ah, pas content, Roscoe. Voilà.